Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'orage. Alors nous sommes le 6 mai 2018 et puis un cumulonimbus est formé dans le Tignois. Voilà, elle est très jolie cette cumulonimbus. Et puis un autre cumulonimbus qui a celle qui a produit force orage à Aubenas, c'est décalé vers le sud à Joyeuse. Voilà, mais ça se prenait toujours les éclairs. Voilà. Alors c'est ainsi que je vous dis à tout à l'heure. Ah bah voilà, regardez ce grand nuage. Regardez. Étige, trois vernons. Regardez. Bah il y a les éclairs qui se font ici. Voilà. Des cuillères de blanc, bec scandale. Désolée, mais bon. Par contre, le gros orage qui se tue maintenant entre Rumilla et Nyons. Ah bah Nyons, je crois que Nyons va s'en taper un gros ministre. Par contre, les éclairs sont à 25 km ici pour le petit orage à l'ouest de Tignes. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure s'il y a d'autres sapins plus proches. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Bah. Donc, voici le paysage 30 minutes plus tard. Regardez comment ça a bien avancé. Du coup, voilà. Et les éclairs qui sont actuellement à l'est de Bordeaux. Donc, voilà. Et puis aussi les éclairs qui sont actuellement sous ces énormes cumulonimbus. Enfin, je vous dis tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà le gros orage qui vient de l'est. Donc, les orages sont derrière cette ligne. Voilà. Bon, il y en a aussi de partout. Je sens les tensions du truc là. J'imagine que ça va se produire un éclair. Je laisse tomber. Oh mon dieu. Oh non, mais ça fait peur. J'ai pas peur des orages, mais j'ai peur de me noyer. J'ai peur de cette rue. Non. Normalement, j'ai vu un éclair. Ah. Pardon. Je m'excuse. T'es sorti tout seul, je suis désolée.
Voilà. Donc, il fait pas encore nuit et il y a déjà un orage qui s'approche de nous. Non, il faut pas que je mette la table trop bien parce que sinon. Ça va? En plus, il pleut. Il pleut tranquille. Ah, je vais entendre le bruit de tonnerre. Mais je crois que je pourrais pas parce que le pluie pas cher. Et puis, il pleut bien, je sais pas. Je pense qu'il y a tout à l'heure. Oui, pour en savoir plus, c'est cet orage, cette grosse ligne qui va arriver vers Bordeaux, qui va traverser Creil et puis Montreuil. Et elle se dirige droit vers nous. Mais peut-être dans 1 heure ou 2, je sais pas. Désolé pour ce reflet de lumière qui est au-dessus, voilà. Mais c'est ainsi que je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Non mais regardez, ça fait une cinquantaine d'arrêts. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Ça fait des coups de tonnerre assaillants à Bordeaux, tranquille. Et même à Mirabel, quand ça commence. Ouhou. Et puis, Laetitia, enfin, c'est une amie à moi qui habite, plusieurs amis à moi qui habitent sur Cré. Ils doivent carrément éteindre leurs ordinateurs quand les orages arrivent à Mirabel et Blacousou. Et même à Saillant Bourdeau, chose qui se produit presque actuellement. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour filmer cet orage. Je suis désolée. Je suis désolée pourquoi? Parce que j'ai dès tout à l'heure, c'est sorti tout seul. Je suis désolée, pardon. Mais bon. Mais bon, c'était un accident. Ça arrive rarement. Donc, j'espère que cet orage va se diriger vers nous. Et en plus, l'orage est à 26 km. Un nouvel impact s'est produit à Pontex. Voilà. Oui, voilà, regardez. Ce nuage noir que je vois depuis mon 3 ans, bah, c'est tout simplement l'orage stationnaire qui avance tout lentement vers l'est, à l'ouest, pardon. Et c'est du droit vers nous en plus, donc attention les yeux. Vous allez avoir le gros spectacle. Oh là là. Alors, c'est assez chaud tout à l'heure. Parce qu'on va même pas les éclairs plus, c'est encore trop loin. Et en plus, il pleut. Les toutes petites gouttes, comme toujours. Parce que dans les orages, ça doit faire des énormes gouttes. Et même de la grêle. De la grêle. Non.